Elle part sur un bon rythme avec une montée de tour en moins de 30 secondes. Elle s'attaque maintenant à Issa Trio, 20 kilos, sur 3 étages. Allez, on l'encourage. Et tout ça sous appareil respiratoire. Lénard, est attendu à l'attente. Allez, on encourage Carole. Et maintenant, elle s'attaque à un des agrès les plus durs du parcours. Là, on lâche souvent ses dernières forces. Une masse en plastique avec laquelle vous devez déplacer un poids de 75 kg. Extrêmement dur. Vous voyez la position courbée, ça vous coupe le souffle. Allez, Carole! Faut se rendre compte qu'elle doit mettre l'équivalent de 60 coups là-dessus, complètement recouvrée. Il faut la lever la masse aussi. Elle est presque au bout là. Ça y est. Elle part maintenant pour un slalom, vous voyez l'état de fatigue, c'est énorme. Quand on est là, on n'arrive plus à réfléchir, on court. Allez, on l'encourage, elle va devoir tirer le tuyau. Et au fur et à mesure qu'elle va avancer, ça va devenir de plus en plus lourd. Je rappelle pour ceux qui viendraient d'arriver, on a une candidate féminine. Il faut effectuer le parcours avec le même poids. Allez, Carole ! Le même poids que les hommes. Allez ! Il lui reste un mannequin tracté de 80 kg. Qui doit représenter 20 kg de plus que son poids de corps environ. Extrême. Tout lui brûle, les jambes, les bras, les épaules. Elle ne réfléchit plus à rien. Allez, on l'encourage. Elle a déjà, elle a fait la moitié, une petite pause, elle repart. Vous avez vu la détermination féminine ?